Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au vendredi 13 décembre 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Ben, vendredi 13, c'est généralement une journée où beaucoup de gens considèrent comme une journée mystique, une journée remplie de superstitions. Ben oui, nous venons aussi de constater que ce vendredi-là a été une journée de superstition dans le clan du Nyongolo Sassou. Voilà, mais tout à l'heure on va développer rapidement. Mais avant de rentrer dans le vif de ce petit direct, nous aimerons dire ceci, comme le disait un Congolais, voir plus loin. Et bien avant tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça c'est un Congolais qui le disait. Éventuellement, ce Congolais, c'est bienvenu, Mabile Mono. Il dit, voir plus loin, et bien avant tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Le vendredi de superstition, c'est éventuellement le dossier du Nyongolo Sassou qui a été retenu, qui n'a pas été déposé sur la table du conseil d'administration du FMI. Donc éventuellement, il s'attendait au deuxième paiement. Le Congo-Brazzaville ne recevra pas au mois de janvier le versement attendu de 48 millions de dollars versement du Fonds monétaire international. Non, le dossier ne figure pas à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration du FMI. Il dit vouloir laisser plus de temps aux autorités pour respecter les engagements budgétaires qu'elles ont pris au mois de juillet, notamment en ce qui concerne la restructuration de la dette congolaise ou encore des mesures de lutte contre la corruption. C'est une manière feutrée de signifier au gouvernement qu'il doit faire plus de son côté avant d'espérer un décaissement. Ce report n'étonne pas l'économiste Ruben Nizar, lui travaille au COFAS. D'abord parce que les négociations entre Brazzaville et le FMI ont toujours été très longues, signe que le Congo a toujours eu des difficultés à apporter les garanties que lui demande le fonds, mais aussi parce qu'il reste effectivement de grosses zones d'ombre sur l'économie congolaise. On l'écoute. Il y a certains éléments qui n'était pas tout à fait clair au moment où l'accord a été conclu. C'est notamment le cas sur le montant de la dette et la question de l'intégralité des dettes congolaises qui ne sont pas connues. Et que l'audit global de la dette congolaise ne soit pas réalisé était effectivement des éléments un petit peu surprenants, puisque dans d'autres cas, notamment sur le continent africain, on a vu le FMI être plus prudent, plus exigeant sur la demande d'avoir des garanties sur l'audit de la dette. Ce qui fait que effectivement, il y avait déjà un certain nombre de questions qui restaient ouvertes au mois de juillet dernier, qui se posent aujourd'hui encore, et donc effectivement ne pas être surpris qu'il y ait un certain retard dans le décaissement de la seconde tranche de prêt FMI. Mais les signaux ne trompaient pas. Le FMI croyait à quoi? Que Sassou Nguesso devait respecter les clauses du contrat. Le 11 juillet, quand le FMI signait avec l'appui de la France, avec tous les lobbyings que Sassou a utilisés, bien sûr, à coups de millions de dollars hein, qu'il a payé tous ces lobbyings-là, qui ont poussé son dossier jusqu'à la table d'administration, jusqu'à l'approbation de son dossier. Ces lobbying qui ont été payés avec de l'argent du contribuable congolais, bien sûr, dans la corruption. Mais Sassou croyait gagner le match. Heureusement qu'il y avait un certain David Lipton, un Américain, qui a dit, bon, écoutez, on va essayer d'aider l'ami de tout le temps, qui est la France. Mais nous allons mettre des verrous. Éventuellement, c'était les 48 mesures qui ont été effectuées. Vous vous souvenez, nous avons déjà fait un direct sur les 48 mesures, mais nous allons encore revenir là-dessus. Parce que sur les 48 mesures, il y avait ce que nous appelons les échéanciers au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Donc, le contrat du 11 juillet 2019 donnait un certain nombre de dates et de délais que le régime Sassou devait obéir. Mais sachant que le régime n'est pas efficace, ce régime n'est pas dans la transparence, ce régime est dans une mauvaise manigance de gouvernance, ce régime n'allait pas respecter ses clauses du contrat. C'est ça, Sassou. Sassou, c'est un menteur, il a toujours manipulé. C'est d'ailleurs ce qui a fait que Galis Ganongo, aujourd'hui, rentre dans une crise, dans ce qu'on appelle un AVC, aujourd'hui. Parce que Sassou a volé les 60% de la première partie du paiement. Vous voyez? Donc Sassou, à lui seul, il a récupéré une affaire de
de 24 et quelques milliards de francs CFA, et il comptait sur éventuellement le deuxième paiement pour financer le congrès du PCT. C'est ça, chers amis. Et donc, c'est encore une escroquerie. Malheureusement pour eux, le FMI n'est pas la France, parce que la France n'a pas suivi les recommandations du Fonds monétaire international. Pour la France, c'était simplement d'avoir le contrat est synonyme de donner un prêt à Sassou Nguesso de 135 millions d'euros, ce qui représente à peu près une affaire de 87 et quelques milliards de francs CFA. Bon, comme vous avez suivi Ingrid et Bouka Babakas qui signaient ce contrat avec l'ambassadeur de France, le représentant CEPA de l'Agence du développement de la France au niveau du Congo, vous avez entendu que Sassou devait déjà recevoir plus de 500 et quelques millions de cet argent, ainsi de suite. Et donc, les paiements devaient se faire, je crois, mensuellement. Vous voyez, donc, en fonction de quoi? Puisque la France savait que Sassou n'a jamais respecté les clauses du Fonds monétaire international, pourquoi donc la France viendrait donner les 135 millions de dollars à Sassou Nguesso? C'est là où nous sommes en train de dire que la France joue un rôle qui n'est pas bien, un rôle qui est là pour faire vivre le régime Sassou. Cet échange de paraphores entre la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale Ingrid Ebouka Babakas, remplaçant le ministre des Finances et du Budget et l'ambassadeur de France au Congo, scelle ainsi l'accord cadre permettant la mise à disposition d'un appui budgétaire du gouvernement français en faveur du Congo. Ce prêt est naturellement associé à la mise en œuvre du programme de réforme que le gouvernement congolais met en œuvre. Nous espérons tous que ce programme, avec l'appui des partenaires, va se dérouler conformément au planning prévu, etc. Et qu'il n'y aura aucune difficulté donc, pour que les tranches suivantes soient versées. Le Congo, qui trouve là un bol d'air venant d'un de ses partenaires stratégiques, doit à présent suivre la procédure interne pour la ratification de cet accord par le Parlement. Après cet accord, il y aura la ratification, l'autorisation du Parlement pour la ratification. Donc, ce n'est que le début d'une procédure qui ira rapidement puisque ces ressources-là sont attendues pour le budget 2019. Cet appui financier d'un montant total de plus de 88 milliards de francs CFA se décline à quelque 29 milliards 518 millions de francs CFA par an dans la période allant de 2019 à 2021. Le régime Sassou, tous les crimes économiques. Mais vous voyez que l'argent que la France donne en réalité, ce n'est pas de l'argent qui va aider au peuple congolais. C'est l'argent qui va éventuellement continuer à huiler le système de la corruption de la France-Afrique, qui va continuer à huiler le système de la corruption du Congo-Brazzaville, qui va continuer à maintenir la dictature au Congo-Brazzaville. Donc on le dit, encore on veut dire merci au Fonds monétaire international, mais il ne s'agit pas ici de dire merci parce que le FMI savait déjà qu'il s'embarquait dans un circuit, dans un réseau avec un homme qui ne respecte aucun engagement. Sassou, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien respecté. Sassou, c'est un escroc, c'est un bandit, c'est un brigand qui est là, qui veut se maintenir au pouvoir par le biais de la répression. Donc vous voyez que tous ces gens qui ont sifflé du champagne ce jour-là, ce 11 juillet 2019, tous ces gens qui ont dansé de ce régime Sassou, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes revenus au même point, c'est-à-dire que, comme on avait déjà averti le FMI, comme on avait déjà averti tous les Congolais, que le prêt que le FMI devait verser à Sassou ne devait pas servir le peuple congolais, mais éventuellement ça devait servir les gens du régime. Donc, voilà encore un exemple palpable et probant qui démontre au peuple congolais que nous n'avons pas de choix. Il ne s'agit pas ici de laisser le PCT continuer à flouer ce pays. Il va falloir que nous nous décidons, s'il va falloir que nous prenions les armes, tout un chacun de nous, avec nos machettes, avec nos roues, avec nos pioches, avec nos pelles, que nous sortions dehors pour s'attaquer les gens de ce régime. Il va falloir le faire, sinon l'avenir du Congo en dépend. Bon, voilà. Donc, comme le disait le compatriote Maître Sylvain Senda, ben, nous revenons ici dans ce que nous appelons le Hollywood. Le Hollywood, donc on peut dire ici c'est le FMI versus donc le FMI contre le Nyongologue. Dans le nouveau film que nous appelons ici le Nyongowood. Le Nyongowood. Donc vous voyez que ça se vous tourne en rond, ils vous viennent avec des promesses. Mais vous savez, chers amis,
Il y a ce prêtre que vous appelez ici l'abbé Yangisa. Il a souligné hein, tout un tas de choses hein, dans son allocution, dans ce qu'il a dit. Il a dit que nous sommes partis à la conférence nationale, c'était bien. La conférence nationale, c'était une bénédiction que le Congo avait réussi de la part de Dieu parce que tout le peuple congolais s'était rassemblé pour traiter les problèmes du Congo. Mais en réalité, rien n'a été traité à la conférence nationale souveraine. Si nous essayons de regarder les assassinats de Mathieu Kota, de Bouabou, de Massoumé, ça n'a jamais été traité à la conférence nationale. Si nous voyons les assassinats de Marem Wabi, l'assassinat du cardinal Émile Bayenda, du président Massamba Déba, et aussi tous les gens qui ont été envoyés au petit matin, ça n'a jamais été traité à la conférence nationale. En réalité, la vérité n'a jamais été dite, quand même la vérité a été dite, mais les coupables sont toujours restés en liberté. Mais ce qui est encore très grave, c'est que Sassou lui-même n'a jamais participé à cette conférence nationale, mais il apparaît à la fin pour venir laver les mains. C'est quand même curieux, hein, chers amis. Nous sommes rentrés dans la manipulation, dans le mensonge. L'homme qui n'a jamais participé à la conférence nationale, mais il vient à la dernière minute pour soi-disant venir laver les mains avec vous. Ça ne va pas du tout, comme il a su le dire, ce l'abbé Joseph Yangisa, que d'ailleurs, moi je pense que ses idéologies sont semblables aux idéologies de Bernard Pongui, qui est là qu'on ne peut pas négocier avec Sassou. Vous voyez qu'il a même dit que vous avez lavé les mains rempli de sang, mais vous n'avez pas utilisé le savon, mais jamais vous pouviez réussir à nettoyer l'odeur du sang sur vos mains sans pourtant qu'il y ait du véritable savon. Donc vous voyez que comme il est venu encore avec les autres expressions, le poisson il est pourri, le poisson pourri est pourri par la tête, mais si vous apportez du sel généralement dans le poisson, dans la tête du poisson, le sel éventuellement évite que le poisson on puisse pourrir. Mais c'est quoi le sel? Le sel, ce sont les chrétiens du Congo. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que les chrétiens du Congo sont aussi embrouillés par le même régime de Sassou, continuent à jouer au jeu de Sassou Nguesso. Donc vous voyez que si nous sommes ce sel-là, et nous ne voulons pas apporter la solution dans les problèmes du Congo, au contraire, nous sommes en train de laisser un poisson qui est pourri par la tête continuer à faire pourrir le pays, alors vous voyez que tout le pays part à la perdition. Vous voyez, donc on demande aux chrétiens du Congo, il s'agit de tous ces prêtres. Vous voyez que Isidore Ayatonga est venu avec un certain nombre de chiffres qui sont sortis, ces chiffres sont sortis dans les réseaux des catholiques. Vous voyez qu'il y a plus de 600 et quelques prêtres. Donc plus de 600 et quelques prêtres, on nous parle plus de 200 et quelques pavanes en Europe, en Amérique, partout en Occident. Et certains sont entre Rome, Paris, au Congo-Brazzaville. Mais que font ces prêtres-là? C'est quoi leur rôle? Donc vous voyez que voilà pourquoi ce l'abbé Yangisa là, il veut que ce l'abbé Joseph Yangisa, que d'ailleurs que je dis un grand bonjour par ses analyses pertinentes qu'il apporte, par sa vérité qu'il apporte, parce qu'il demande au peuple congolais de véritablement comprendre la situation. Il le dit clairement que Sassou c'est un menteur, la conférence nationale a été un échec et nous sommes encore dans le même cercle. Nous partons au rond-point, nous tournons, nous revenons, comme nous sommes déjà en train de vous le dire. On ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. Il dit que nous avons suivi le menteur, ça c'est ce qu'il dit. Le Congo est un poisson pourri par la tête. Nous sommes des sels qui peuvent prévenir la pourriture de la tête du poisson. Éventuellement, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais nombreux parmi nous ne comprennent pas encore ce qui est en train de se passer. Nous avons lavé les mains du sang sans savon. Nos bouches sentent mauvais, c'est ce qu'il dit. Parce que dans nos bouches, il n'y a que le mensonge qui sort. Il n'y a que de la manipulation. Regardez, pendant plus de 40 ans, ce monsieur ne fait que vous manipuler. Il vous vient avec des projets. Autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Plan quinquennal, le chemin d'avenir. Allons ensemble jusqu'au développement, jusqu'à l'an 2025. Tous ces projets-là, ce n'est que badigeonner du mensonge. Il va falloir que le peuple congolais puisse prendre véritablement conscience. Il dit encore que la conférence nationale a été un don du ciel où le peuple se rassemble, mais nous n'avons pas pu saisir l'opportunité. Nous avons suivi le menteur, le boulanger, celui-là qui a l'habitude de nous mentir. Donc il demande au peuple congolais de revenir véritablement dans le sens républicain qui est le sens de la République. Il a même pris l'exemple du Bénin avec Mathieu Kérékou qui éventuellement amener la vérité au sein du Bénin. Il a été même réélu. Il a même refusé de changer la constitution de son pays.
Et aujourd'hui, Mathieu Kérékou se repose en paix. Il représente en ce moment la figure de l'Afrique. Mais ce Congo, nous avons eu un diable qui nous a manipulés, qui continue de nous manipuler, qui continue de nous emmener la séparation, qui continue de nous emmener les guerres, qui continue de nous emmener la crise économique. Pendant ce temps, lui, il continue à flasher l'argent du Congo comme s'il coûtait des arachides avec ses voyages bidons. Donc, peuple congolais, revenons vraiment au véritable sens de la République. Revenons au véritable sens de la République. Donc, on le dit encore, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder les assassinats de Matsuo Kota, de Pouabou, de Massoumé, de Marie Ngouabi, de Karnal Mbienda, de Massamba Déba, de disparu du bis de Brazzaville, de génocide dans le Pool, du 4 mars 2012, de Aïko Mono. Tous ces morts que le Congo a eus, il n'y a pas toujours la vérité qui sort. Mais comment devons-nous continuer à vivre dans un pays pareil où il n'y a que la manipulation? Jamais la justice est faite. Dans tout le cas, jamais la justice est faite. C'est toujours lui, Sassou, qui a raison. Et nous sommes en train de laisser un parti politique en train de badigeonner tout le pays avec du sang des Congolais, en train de stirper tout l'argent des Congolais, en train de nous mettre plongés dans la misère la plus absolue. Mais nous sommes toujours là en train d'assister. Mais c'est quel est ce genre de pays-là? Nous n'avons jamais vu ce genre de nation où les citoyens se sont démissionnés de leur mission, où les populations se sont démissionnées de leur mission. Faire, chers amis, parce que ce monsieur va représenter le pire et le mal. Mais non, si la France continue de le protéger, on n'aura pas le choix, c'est de couper des relations diplomatiques, comme a fait le Rwanda avec la France. Donc, voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais à la mobilisation générale. Oui, Sassou nous a trop menti. Vous voyez là, il est en train d'organiser un dialogue. Mais comment il organise ce dialogue-là? De consultation personnelle en consultation personnelle. Donc, il va rencontrer des opposants de farce qui sont avec lui, qui travaillent avec lui, qui lui maintiennent au pouvoir, qui fait survivre son régime tout le temps. Et nous sommes là en train de regarder le pays en train de s'abîmer. Voilà encore un exemple avec le FMI. Nous savons qu'aujourd'hui, il a certainement mis tous les lobbies de la France-Afrique pour encore essayer de regarder comment le FMI va ramener ce dossier sur la table du conseil d'administration. Mais on vous le dit, tout près du FMI ne sera jamais la bienvenue au Congo, qu'on n'en veuille pas. Jamais le FMI a pu développer un État. Donc vous voyez que nous ne pouvons pas compter sur des prêts. Nous ne pouvons pas être une nation qui ne fait que fonctionner de prêt en prêt, de dette en dette. Ça ne peut pas fonctionner de cette façon. Il va falloir que nous planifions avec les fonds que nous avons, avec les moyens de bord que nous avons, avec nos propres ressources. Comprenez avec moi que si vous êtes un père ou une mère qui ne fait que s'endetter auprès de la banque, mais finalement vous n'allez absolument rien faire. Donc il va falloir éliminer toutes ces dettes, mais nous savons la machine qui est en train de nous tuer, la machine qui nous plonge dans toutes ces dettes, c'est Sassou et le PCT. Nous sommes dans une difficulté, nous sommes dans une situation de vulnérabilité, le pays va s'auto-détruire selon le sang Sassou là. Donc je tenais à dire encore félicitations à l'abbé Joseph Yangissa qui demande encore à l'église de jouer son rôle. Le rôle, c'est l'église doit être du côté le plus démuni, le côté du plus pauvre. L'église doit être du côté du peuple. Donc on le dit, peuple congolais, comme on vous l'avait dit, on avait l'habitude de vous le dire, que Sassou c'est une pourriture, Sassou c'est une gangrène, Sassou c'est une tumeur, Sassou c'est un cancer. On n'aura pas le choix, peuple congolais, s'armez-vous de l'armature de guerrier. S'il va falloir que vous vous armez de la haine contre les gens du PCT, contre les gens du Parti congolais du travail, contre les gens du régime Sassou, il va falloir le faire. On n'a pas de choix. Si nous ne le faisons pas, nous sommes mal barrés. Si nous ne le faisons pas, le pays est détruit. Si nous ne le faisons pas, ce sont les générations et les générations que nous sommes en train d'hypothéquer. Alors, nous demandons à tous les Congolais, au sens de la responsabilité, au devoir patriotique, lèvons-nous, chers amis, continuez à vous approvisionner, préparons-nous moralement, physiquement, pour affronter ces gens-là physiquement, pour mettre terme. Tant que l'affaire du Congo ne va pas arriver au niveau physique d'affrontement, aucune communauté internationale ne va se lever sur nous, parce que cette communauté internationale est voilée par le système de la France-Afrique. Mais si nous bousculons les cartes, à l'heure où nous avons encore le président Trump au pouvoir aux États-Unis, nous en sommes convaincus que le changement va se passer. Mais là encore, nous sommes en train de courir un risque. Si et seulement si les amis de l'Afrique de l'Ouest arrivent à chasser le système de la France-Afrique, mais bien sûr, le système de la France-Afrique va essayer de pérenniser les ressources de la zone Afrique centrale
déjà que vous êtes en train de regarder du côté du Gabon, Ali Bongo est en train de mettre son fils, et vous voyez que du côté du Congo, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, nous n'aurons que nos mains pour mettre sur la tête. C'est maintenant ou jamais. Batatana, Bamama, Bampangi au Congo, Benoku Telama, Benoku se préparer, Nirvana, moi, Loso, moi, ma Deso, moi, ma Kayabu, Sumba, Yamingi, Tula, Nainzo. Singe que venayau lomba na mpangi yange ya quartier npesange samuti betke na kubisa betke kubisa bwala ina betke na kuprepare diambu ya nene betke sala ya kintwa di na beno fo beno ku wabandinga ya beto na ntangu diambu na ke kukwiza ame ku beno ku tala ke bon banque ya nene ina bake bukula FMI pa vani ku tubati ni ba ku kwiza ku salisa Congo meyan vuna kampe banque ya nene nene ina Mbongo ya ntete ina baku pesaka, nkadia mpemba, mutantu, mkuyu, meku baka, meku dia yao. Yani kiku kanisa ke mbongo ina kile ya tata ya yandi, poro poro, kile ya mama ya yandi, mwebara. Nikuna betena kutuba kwe sasungesoni yandi mkuyu ya Kongo, fo betu kukanga mtu ina kutula ina bologo, kusambusa yandi, betu ketula ina kevana mtu ya prisonye, prisonye ya beto, kevana kunetoye ba zangu ya ba mama. Parti ya bao PCT ba ina nyoso vanaka ma membre a parti na faut betoke ku kanga bao ni kuna betona ku lomba na beno peuple leader ya Congo ina ningeke na kutala munu ninge ntwenya ninge mwana ninge kuluntu ku landa ve leader ya parti politique parce que ya ni bao me ku voyi sa Congo betoku tela ma kintwari voilà batata ba malo ko la tolo waki leader ezali yo ezali ngai ezali batowana to batowana te parce que batowana bazali ba miyibi bao bazoko boma mboka bao bazoko détruire Congo photo bunda elongo o to vaincre ba dictateur voilà donc allez merci d'avoir suivi ce direct et à plus tard allez au revoir.